Le Christ est ressuscité afin que nous puissions ressusciter avec lui. Chers amis, bonjour. Après avoir dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, Jésus proclame, nous le voyons dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, verset 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la mission que Jésus donne à ses disciples et c'est cette même mission qu'il nous donne. Allez donc et de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être certaines personnes pensent, ben, ça c'est pas quelque chose que je peux faire parce que c'est le prêtre qui baptise. Mais baptiser, c'est plonger les personnes dans une expérience de Dieu comme Père, une expérience de Jésus comme Sauveur, une expérience du Saint-Esprit. Et c'est notre mission d'aider les personnes à découvrir l'amour du Père, à découvrir Jésus le Sauveur, à découvrir le don du Saint-Esprit qui vient dans notre vie pour nous guider. Et Jésus le promet, tout pouvoir m'a été donné. Et donc, allez, et moi je vais vous accompagner. Lorsque vous parlez de Dieu le Père, de l'amour du Père, je me manifesterai. Et le Père se manifestera. Et les personnes feront l'expérience de l'amour du Père. Lorsque vous parlerez de moi, votre Sauveur, qui sauve encore aujourd'hui, qui donne le salut aux hommes, alors les personnes vont faire l'expérience d'être sauvées, d'être pardonnées, d'être libérées. Lorsque vous annoncerez l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous accompagner et va œuvrer. Et donc, ayez confiance, j'ai vaincu le monde, allez donc proclamer la bonne nouvelle. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples, c'est la mission que Jésus nous donne d'annoncer ce que lui a fait pour nous, d'annoncer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Que le Seigneur te bénisse et te donne la joie de témoigner son amour à une personne en cette semaine et de témoigner que Jésus est vivant et ressuscité. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain !